Salut à tous, Neo Anderson pour Endgames.com. Ce soir, je vous présente Fury Unleashed. Ça sort sur PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One et Mac pour le prix de 19,99€ et c'est développé par les petits gars de Awesome Game Studio, des petits polonais. Alors, je vous propose qu'on aille dans les options et qu'on baisse un tout petit peu le son de la musique hein, pour être sûr que, voilà, on puisse m'entendre raisonnablement. Donc, qu'est-ce que Fury Unleashed? Eh bien, c'est, accrochez-vous, un Twin Stick Shooter Roguelike. En duo, vous pouvez également le faire en solo, mais vous pouvez aussi le faire totalement en coop, en local, donc sur les consoles de jeu et sur PC, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est que du local, hein. Malheureusement, on ne peut pas jouer à distance à ce niveau-là. Bref, toujours est-il que on va lancer une partie. Hein, je pense qu'on a déjà vu les menus. Il n'y a rien de spécial hein, pour un twin stick shooter, le tremblement de l'écran, taille de la visée, la couleur de la visée, voilà, audio vidéo, on a mis en 1920x1080, il n'y a aucun lag, ça va nickel. Je vous propose qu'on y aille directement. Et vous allez voir, petite surprise, regardez qui sert de héros à Fury Unleashed, donc qui est Fury dans le jeu. C'est moi. Eh oui, c'est moi. Donc en gros, il y a possibilité d'envoyer son visage au développeur et d'être intégré dans le soft. Donc ce qui est plutôt pas mal, voilà, c'est qu'on peut alors améliorer son héros. Voilà un petit peu la tête des héros de base. Hein. Voilà, ici, ça c'est le héros de base. Vous voyez, pom, pom, ok. Il y a plein de héros qui se débloquent par la suite, bien entendu. Et moi, j'ai été intégré comme ceci. Donc on peut choisir carrément la taille de sa tête. Voilà, avoir une énorme tête ou une toute petite tête. Vous voyez, un petit peu le genre. Plutôt sympathique. Donc l'idéal, bah, je pense, c'est... Voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme armure. Celle-ci est plutôt pas mal. Hein. Quoique celle-là est pas mal. Ouais, celle-là me plaît bien, tout en robot attitude. Quoique ça colle pas avec ma tête. On va la refaire. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. Ok, donc, votre humble serviteur sert donc de héros du jeu. Fury est un personnage qui est tiré des comics d'un auteur qui est malheureusement eh bien, en manque d'inspiration. Et eh bien, ce personnage va essayer de comprendre pourquoi son géniteur a tant de mal à faire de nouvelles aventures de Fury. En gros, c'est un agent spécial commando, et son but, eh bien, c'est de sauver la planète d'une invasion alien, d'une invasion nazie, bref, voilà. C'est le comics de la pure enfance de l'art. Donc, on a un skill tree qui permet eh bien, tout simplement de booster son personnage avec des points de compétences que l'on va récupérer grâce à de l'encre noire. Ces points de compétences peuvent donc booster différents aspects, comme notre niveau d'énergie maximum, le nombre de sphères d'énergie que l'on récupère en tuant les ennemis, le nombre de grenades que l'on peut transporter, le nombre de boucliers de combos, parce que quand vous faites un certain nombre de combos, vous avez des boucliers qui vous empêchent de vous prendre des coups, etc., etc. Le nombre de coups critiques, la vitesse de rechargement, voilà, tout y est, et donc vous voyez que même au niveau 53, on est encore loin d'avoir fait le tour. On a également... du matos. Alors le matos, ça c'est le matos de départ, parce que qui dit roguelike dit que dès que vous allez mourir, vous recommencez au début, avec les points d'expérience et les pouvoirs gagnés, bien entendu, mais avec des armes de départ. Donc on a l'arme classique, le fusil à pompe, le lance-roquette, tout ça on l'a débloqué. À la base c'est que le fusil classique. Idem pour les armes de mêlée. Je vous propose qu'on démarre avec le fusil classique et le katana, c'est plutôt sympathique. Voilà une paire de personnages du jeu. Parce qu'on a pu eh bien, boucler le soft, un jeu qui vous demandera, alors attention, il faut le jouer en mode normal, si vous le jouez en mode facile, en 2h30, 3h, vous en avez fait le tour. Maintenant, le jeu n'est clairement pas fait pour être joué en mode facile, tout simplement. Il y a plein d'items, vous voyez que le loot est vraiment pléthorique, il y a des choses qui vous donnent plus d'XP, des choses qui permettent d'exploser plus facilement les ennemis, des pouvoirs spéciaux, mais tout de suite, place au jeu. Fury Unleashed est composé à la base de trois comics, l'éveil des anciens dieux, mais également l'opération Crépuscule Pourpre et l'ultime combat de la Terre. Donc on a du Indiana Jones Tomb Raider, on a du combat contre les nazis façon Wolfenstein, et on a du Independence Day mixé à Alien. Bref, pas mal de choses pour s'amuser. On peut également, comme on l'a dit, changer le mode de jeu, le mettre en facile ou en difficile, ce que j'appelle moi le mode normal. Pour les besoins du vidéo test, on va le mettre en mode facile. Le mode facile, l'avantage, c'est qu'il peut être totalement paramétré. Et bien, allons-y pour cette petite partie de Fury. Il y a également un dernier niveau, mais ça, on va pas vous le montrer, bien entendu. Alors, voilà mon personnage. Donc, je suis The Fury. The Fury. Et on est parti pour... un twin stick shooter. Donc voilà mon petit personnage qui peut double sauter, qui peut dasher, qui peut courir comme un fou. Donc c'est déjà ultra nerveux comme gameplay. On peut tirer dans toutes les directions avec le second stick. Voilà. Ça recharge automatiquement.
n'y a pas moyen de charger l'arme autrement. Il faut aller jusqu'au bout des munitions. Donc, il faut vraiment faire très très attention par moment, voire même si on se rend compte qu'on va arriver au bout des balles et qu'on a bientôt un ennemi, et bien, claquer les dernières balles pour être sûr d'avoir un chargeur plein. On attaque avec X. Voilà. Et à côté de ça, eh bien, on a également la possibilité d'utiliser un pouvoir en bas à gauche qui est Y. Là, c'est un pouvoir de gel, mais il y a d'autres pouvoirs disponibles et je peux jeter des grenades avec LB. Boum! Donc, c'est l'enfance de l'art. C'est très simple à prendre en main, c'est ultra speed. Et ce qu'il y a de bien, c'est que bah, pour sauter, par exemple, c'est A, mais ça peut également être la gâchette arrière gauche. Donc, comme ça, on est vraiment uniquement sur le twin stick. On ne va pas bouger sa main. Son pouce, du stick de droite, on peut sauter avec la gâchette de gauche. On a enfin la carte, ça c'est le seul petit bémol qui m'a vraiment frustré durant le soft, c'est que la carte s'active en cliquant sur L3, donc sur le stick analogique de gauche. Et bien dans le feu de l'action, pour peu que vous ayez une manette qui a un stick qui s'active assez rapidement, bah voilà, on est comme ça en pleine action, on s'active un peu, on appuie sur la carte. Un petit peu dommage. C'est un roguelike, tout est généré aléatoirement. Donc ça a une bonne replay value, même si c'est vrai que ben voilà, au niveau des environnements, il n'y a que 3 environnements distincts, plus, oups, ça boum, plus un environnement final. Qui dit roguelike dit bien entendu loot, on vous l'a montré, il y en a beaucoup, beaucoup, mais ça dit également. Hop là. Ça dit également que vous allez rencontrer tout un tas de vendeurs ou de, j'ai envie de dire, d'hôtels qui vont vous permettre de pouvoir, eh bien. Hop là! Qui vont vous permettre de pouvoir invoquer différents pouvoirs, voire même sacrifier de l'énergie pour récupérer des boosts. Donc voilà, il y a tout un tas d'hôtels, on va essayer quand même de vous en montrer quelques-uns. Alors voyons voir, hop là! Ici, on a également des trésors voilà, qui apparaissent. On peut porter deux armes et on peut switcher très facilement. Vous voyez qu'ici, le shotgun fait beaucoup de dégâts. On récupère, comme je l'ai dit, de l'encre noire qui va vous permettre de booster notre personnage une fois qu'on est mort. Mais également de l'encre jaune qui sert de monnaie d'échange pour de nouvelles armes, de nouveaux boosts face aux vendeurs du coin. Bon, ça l'est pas mal. Le lance-ci, voilà, ultra puissant. Là, on est vraiment en mode facile. Hein. Donc les dégâts, c'est 1 à chaque fois. Comme on peut le voir, j'ai ma jauge de vie en haut à gauche. En mode difficile, à chaque fois, je me prends 20 ou 30 de dégâts. Sans aucun problème, au moindre coup. Donc il faut la jouer beaucoup plus fine que moi. Un peu moins bourrin, mais pour les besoins de ce vidéo test, ben voilà. On a voulu vous montrer un petit peu plus de gameplay. Et donc forcément, faciliter un petit peu notre progression. Là, on peut le voir, je peux utiliser mon pouvoir spécial avec Y. Ça, j'ai les ennemis. C'est très pratique. Un petit trésor, alors est-ce que j'accepte HLV 5 ennemis suivants avec ton arme de mêlée? Oui, j'accepte, c'est plein de petites missions comme ça, hein. Totalement aléatoire. Et donc si j'y arrive, eh bien je vais avoir un trésor supplémentaire. Donc là, voilà déjà deux avec mon arme de mêlée, en voilà 3, en voilà 4, et le dernier. 5, c'est bon. J'ai obtenu, augmente les chances d'obtenir un globe de santé quand la santé est basse. C'est un équipement, il y en a plein des équipements. On peut porter comme ça des bottes, on peut porter une armure, on peut faire des petits dons éventuellement pour obtenir des boosts. Du style, vous ramassez deux fois plus d'encre jaune à partir de maintenant, ou ce genre de choses. On peut également, comme on peut le voir, eh bien, jumper sur les ennemis, ça fait très mal, un petit coup de botte bien senti. Encore un trésor, une grenade. Bien plus efficace que la mienne, et on passe directement au chapitre suivant. Le but, c'est bien entendu de faire toutes les cases pour avoir un maximum de taux de complétion. Le problème, c'est que bah, plus on va faire de cases, plus on risque de perdre des points. Et regagner des points de vie au début dans ce soft, c'est relativement compliqué. Il faut vraiment bien booster les capacités de son personnage via l'encre noire pour permettre plus d'apparitions. Alors l'encre noire, vous voyez qu'on peut soit la récupérer sur les ennemis, mais également, si on a un loot qui ne nous plaît pas, absorber le loot contre de l'encre noire. Pratique également. Donc voilà. Parfois on se dit, bon, est-ce que je prends quand même le risque de prendre ce loot sans vraiment trop le connaître, ou est-ce que je me contente de l'encre noire qu'il va générer? Alors forcément, chaque item est basé suivant une classification. Donc on a des classiques, on a des rares, on a des légendaires. Toi, je te laisserai pas vivre. Hop là. Et ainsi de suite. J'aimerais vraiment quand même vous montrer. Voilà, peut-être ici on aura quelque chose.
Juste un trésor. Je voudrais vous montrer un des fameux hôtels. Alors on peut faire le voyage rapide aussi, ça c'est pas mal. Ça permet, comme il y a un petit côté Metroidvania, d'aller vers des cases qu'on a déjà visitées, mais de façon beaucoup plus rapide. Ça, mine de rien, c'est pas mal. Vous voyez que ça pétarade de tous les côtés. J'adore le look comics, moi. Et je trouve que bah, l'animation n'est pas en reste. Les décors sont vraiment très jolis. C'est assez fin. Augmentez votre combo de 10 sans le casser une fois. Ok, aucun problème. Alors, comment faire un combo? Déjà, il ne faut pas se faire toucher. Mais là, c'est terminé. Je vais me faire toucher. Hop. Chaque ennemi a également sa propre façon pour être abattu. Certains sont plus sensibles à un type d'arme que d'autres. Et ils ont tous un pattern à connaître plus ou moins par cœur pour dire de s'en sortir. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Alors ceci c'est très intéressant. Vous allez devoir eh bien, sacrifier de la santé pour avoir le contenu du coffre. Ok, je sacrifie 25 et maintenant j'ai un casque qui me permet de détecter les ennemis cachés. Vous voyez que bah, maintenant justement je les vois ici et je vois qu'il y en a un pile poil ici. Le jeu est également truffé de demi-boss. Alors, c'est parce que j'ai bien boosté mon personnage, mais honnêtement, il vous faut beaucoup plus de temps que ça pour le tuer normalement. Je vais m'en équiper. Ouais, hop, ok. On redescend. Voilà. Et on va aller vers peut-être un autre monde, histoire de voir ce que ça nous réserve. Mais vous avez vu que bah, ça bouge excessivement bien. C'est vraiment très joli. Purée, je me fais toucher de tous les côtés. Hop. Et là, je me la joue beaucoup plus action, mais à la base, je vous rassure, hein, en difficulté classique, on est à fond au Twin Stick. Donc c'est hors de question de se la jouer avec le katana en permanence, ça ne fonctionnera pas, vous allez mourir excessivement vite. Changement d'univers, hop. On sort de là, on va vous montrer un petit côté nazi, éventuellement continuer, recommencer, quitter. Oui, je quitte, je reviens au menu. On va faire, hop là. Un petit quelque chose de bien sympa, juste ici. Mode de jeu. Non, ça c'est fait. Voilà. Un petit opération crépuscule pourpre. C'est parti. Alors c'est pas mal parce que voilà, comme le jeu propose finalement ben, peut-être pas beaucoup d'environnement, mais en tout cas varie pas mal les choses grâce à ses loots, grâce à ses coffres, grâce à tous ces petits défis qui apparaissent comme ça in game. Ça c'est une horreur comme arme. Et comme il a un côté très nerveux et très rapide, hein, vous voyez qu'on peut finir les niveaux relativement rapidement, et eh bien on y revient très souvent. Donc il y a un vrai côté chronophage. Pas piquer des vers. Oh purée. Boum. Et moi j'aime vraiment beaucoup ce côté, voilà, je jump, je speed. On peut également rajouter divers effets à ses armes, le feu, la glace, donc c'est très 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 varié au final. Ah parfait, voilà, ça ce sont les dons. Malheureusement, j'ai pas assez d'orbe jaune. J'aurais vraiment voulu vous montrer les hôtels de Satan un petit peu. Grosso modo, ça permet eh bien, de sacrifier sa vie pour obtenir certains boosts. Mais j'en ai eu un comme ça au tout début du jeu, je l'ai jamais retrouvé après. Qui me permettait d'arriver avec 10 points de vie seulement. Donc grosso modo, je n'avais plus que 10 points de vie. Mais chaque fois que je tuais un monstre, je gagnais 2 points de vie supplémentaires sur mon énergie maximale. Et ça, mine de rien, bah, c'est ultra pratique, mais c'est ultra difficile aussi. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc ça, c'est une transfusion. Ah, ah, ah. Vous voyez que ça pète dans tous les sens. C'est super cool. Donc honnêtement, bah, moi, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Déjà, il est pas cher. Il est seulement à 20 euros. C'est vrai qu'il est un peu court si vous le jouez en facile, mais le but n'est pas là. Ce que vous voyez dans le vidéo test, c'est le mode facile. Et donc forcément, j'avance très très vite. Le but, c'est quelque chose de beaucoup plus stratégique.
En plus, si vous jouez en mode facile, vous désactivez absolument tous les trophées. Ce qui est un petit peu dommage pour les plus complétionnistes d'entre nous. Alors ce que j'aime bien, c'est que vraiment chaque arme est différente. Il y a plein de pièges comme ça qui viennent varier un petit peu le gameplay, comme ici. Bah, vous voyez, si je me mets là, par moment, hop, il y a une mine qui sort. Et c'est très difficile à éviter. Là, je dois faire attention au retour de flamme. Voilà. Ici, je peux l'écraser. Donc, on sent vraiment que bah, y a 5 ans de développement derrière pour maîtriser le gameplay à la perfection. Il n'y a rien qui va venir vous embêter. On va faire un don. Tiens, allez, hop. Voilà, bénédiction augmente les chances de critique de 10%. Si ce n'est quelques boss vraiment, vraiment retors. Là, honnêtement, au niveau des boss, il y en a qui se sont fait plaisir. Alors, autre bémol, si vous voulez recommencer directement à partir de la BD numéro 2 ou de la BD numéro 3, eh bien, il faut finir 3 fois la BD précédente pour battre les 3 boss. Parce que chaque fois que vous battez un boss, il y en a un nouveau qui va apparaître, mais vous devez vous refaire toute la BD. Donc, c'est une façon de gonfler artificiellement la durée de vie qui m'a un peu déplu, c'est vrai. Mais... bon, c'est vraiment cracher dans la soupe parce que comme ça se fait très très vite en mode facile, on débloque rapidement les BD, hein, ça c'est sûr. En mode normal, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, vous pouvez accéder à la deuxième ou la troisième BD en suivant, donc comics, en suivant le parcours classique. Donc grosso modo, en terminant le premier comics, vous accédez automatiquement au deuxième. Mais si vous mourrez dans le deuxième, eh bien, vous allez devoir revenir au premier. Sauf si vous avez débloqué le deuxième comics. En finissant 3 fois le premier, vous avez saisi. C'est pas évident, mais c'est comme ça que ça se passe. Et un petit côté alien. Si on aurait vu les 3 environnements, vous aurez vu que c'est vraiment très très joli. Et on en restera là pour ce vidéo test de Fury Unleashed. Alors voyons voir. Quitter. Et on termine par le dernier stage. Donc voilà, moi c'est vraiment un jeu que je vous recommande. Surtout si vous voulez jouer à 2, c'est très très fun. Et... bah, même s'il est très court, en mode facile, encore une fois, en mode normal, il réserve quand même un sacré challenge, et il promet une belle replay value et un sacré côté chronophage. Donc, pourquoi se priver? C'est vraiment une très très bonne surprise. Voilà, ça rappelle d'excellents titres en coop, comme, bah, moi j'ai envie de dire Contra, bien entendu, hein, donc Probotector, chez nous, qui a un petit peu fait connaître le genre au plus grand nombre sur Super Nintendo, ça c'est certain, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Et... au niveau des Twin Stick Shooter, bah, ça fait plaisir. Moi, c'est un genre que j'aime vraiment beaucoup. J'adorais par exemple Dead Nation sur PlayStation 3 à l'époque, qui est sorti sur PS4 également. Ou Alienation, qui est pas mal aussi. Oh, la main! Donc voilà, si vous voulez un petit twin stick shooter ultra sympathique avec une bonne replay value, un côté très chronophage et un gameplay mais léché aux petits oignons, je vous le conseille amplement, ce Fury Unleashed. Et surtout, faites-le à deux, c'est encore plus fun honnêtement. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. On vous adore et merci à la Pologne de nous avoir encore offert un jeu plus que remarquable. C'est décidément un vrai vivier de talent. Pour info, pour ceux qui ne le sauraient pas, CD Projekt, les personnes qui sont derrière The Witcher et bientôt Cyberpunk, eh bien, ce sont des Polonais aussi. Donc, il est clair que la Pologne a un vivier de talent au niveau jeu vidéo. Et ce Fury Unleashed nous le prouve à nouveau. A très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao !